Vous savez qu'un apôtre vient de confesser la foi. Dieu est en train d'agir dans ta vie. Et oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Est-ce que Dieu est en train d'abandonner? D'autres sont assis, je prie pour toi. Dieu t'a dit qu'il t'a abandonné. Seigneur, ne m'abandonne pas. Dans ton ventre. Le feu dans ton ventre. Feu! Lâche-le. Lâche-le.
Tu as tué combien de personnes? Hein? 19 personnes. Tu fais comment pour tuer les gens? Les pièges. Tu n'expliques pas bien. Il dit je les piège, ça veut dire quoi? Je prends mon filet, je tends. Il tend le filet de la main, le filet arrive là. J'enseigne. Et il chasse la balle. Ça tombe. Je n'ai pas bien entendu. Hein? Je n'ai pas bien saisi. Je dis, qu'est-ce que la manière du poulet? Le même le produit. Le temps que je chasse, quand je rentre. La clôture là, c'est comme on fait ça. C'est où tu fais clôture, hein? C'est en brousse, tu fais filet. Dans quelle forêt? Vous pouvez m'expliquer? Non, c'est pas dans la forêt, c'est en ville. Aïe. Tu parles de quoi? Il c'est pas en brousse, c'est en ville. Physiquement? C'est physique? C'est physique? Hein? C'est physique? Quand je veux la chose. C'est oui ou non? Oui, et puis tu expliques. Non, tu expliques. C'est physique? Oui. Ah bon? Le fidèle est physique. Tu peux m'aller prendre ça, mon way. Non, je ne peux plus le retenir. Non, c'est pas physique. Tu peux pas voir français? Est-ce que le monde, tout le monde peut voir? Non. C'est ce qu'on demande? Hein? Tu dis c'est en ville. Faut bien expliquer. En ville, comment? En ville, on poursuit la peine parce qu'en cabri, si entre deux maisons, le train en bas et l'autre côté, et les autres chassent ici, on l'attrape. Non, tu n'expliques pas bien. Ça dit quoi? Tu expliques. Je dis, on poursuit l'animal. Quel animal? Le cabri. L'homme qu'on veut tuer, on le déguise en cabri. Vous voulez voir? Là maintenant, on le poursuit entre deux maisons, on part là-bas. Puis on le chasse par ici. Quand il veut traverser, il prend le filet. Ça se passe physiquement ou en rêve? Sans sorte de. Il y a rêve à pas, il y a sorcellerie à pas. Bon, faut nous expliquer. Comme on ne sait pas, on connaît pas. Comme on ne connaît pas fait de rêve puis sorcellerie, explique-nous ce qui est rêve, explique-nous ce qui est sorcellerie. Sorcellerie. Quand on dort, en croyant un rêve, on ne peut pas se rappeler de ça. Quand tu es là au matin, tu es l'homme, la vie de là-bas est là-bas. Et si c'est rêve, quand tu te lèves au matin, tu te rappelles tout ce que tu es arrivé, tu peux compter ça à ton ami. Tu sais que tu es en train de tuer, jouer moi. Hein? Tout ce que tu es en train de compter, tu ne te souviens pas de tout ce que tu as fait là-bas. Quand tu dis que tu as tué 19 personnes, tu n'as pas oublié. Tu as une mémoire? Ou bien? Alors? Explique-moi bien. Donc c'est derrière là, ça rêve en fait. C'est une autre dimension de rêve. Oui, mais quand on attrape le cabri, on tue, on mange. Tu vois, non? On ne jette pas. C'est pas du coq à l'âne. Il faut expliquer ce que toi t'appelles rêve. Et puis expliquer ce que toi appelles sorcellerie. Parce que tu m'as dit qu'il y a sorcellerie à pas et puis il y a rêve à pas. Moi je t'ai demandé si c'est un rêve. Tu dis non, il y a rêve à pas et puis il y a sorcellerie à pas. Donc explique. Moi je t'en ai dit, il dit c'est un rêve alors. Mais tu me dis il y a rêve à pas et il y a sorcellerie à pas. Ah, ok, faut bien me saisir. Ah, j'aime bien les réponses. Tu fais comment? Comment tu tues les gens en sorcellerie? C'est ma manière que je monte. Mais tu ne comprends rien. Mais qui a saisi? J'ai dit, quand on veut tuer une personne. Qui se trouve dans deux murs, qui se trouve dans deux couloirs? Tu n'expliques rien, t'es en train de attirer l'esprit. Deux maisons. Mais qui se trouve dans deux maisons? C'est le cabri. On voit le cabri vert ici. Mais comment le cabri peut aller se retrouver dans un couloir? C'est nous qui le poursuivons aller. Et comment? Vous le prenez ou vous allez le poursuivre? Hein? On le déguise, il devient cabri, il est en ville et on le poursuit. Et comme on sait que le cabri est plus fort en vitesse, on a un filet, on le part quelque part, tel qu'ici. Et en poursuivant là-bas, il vient se projeter dedans, dans le capture. Eh bien, bien comprendre, pour qu'on puisse bien te saisir, il faut avoir un langage humain, c'est-à-dire... Il dit, voici comment on fait une personne pour la tuer. On la transforme d'abord, telle personne, il veut passer comment? Faut nous aider. Mais ce qu'il t'explique, la personne ne comprend ce qu'il t'explique. La personne est où? Et vous transformez la personne comment? Et vous l'arrivez à l'amener dans un couloir et vous le prenez dans un filet pour le tuer. Je t'écoute. La personne, il est vivant. Soit il marche, soit il dort.
Nous, on le transforme. Comment vous arrivez à transformer une personne? C'est ce que je veux savoir. On le transforme en cadre. Pas en quoi? Il y a une sorcellerie. Comment ça se fait? Comment? Pour le transformer, je dis, on a des mots quant à toi, sorcellerie. Vas-y. Sous forme qu'on dit magie, on prononce ça à la personne. C'est pourquoi quand on va arrêter quelqu'un, il y a un hibou qui attend toujours pour guetter la personne pour avoir ses secrets. Avec quoi? Je dis. Ouais. C'est pourquoi on a un hibou de gardien qui surveille la personne de pas à pas pour recueillir ses techniques, sa puissance de vie. S'il a fini, il nous signale maintenant, nous prenons notre filet. On sait qu'on a gagné. Et la personne dort, c'est ça? Hein? La personne est couchée. La personne est couchée. Et comment tu t'arranges à rentrer dans la maison? Non, nous on rentre pas dans la maison. C'est son âme qui marche. Non, je comprends. Son corps humain dort et son âme se promène. Ça veut dire quoi? C'est ça, on embryonne. C'est la première fois que j'entends un sorcier parler comme ça. Et c'est pas juste ce que tu dis. Vous avez la capacité de rentrer dans la maison de quelqu'un, ça c'est clair, et parler à son âme, parce que son âme ne se balade pas. L'âme ne se balade pas. Il faut bien l'expliquer. Moi, je suis en train d'écrire un livre. Jusqu'à quand j'en ai ça sorti, c'est la même chose. Il ne faut pas me distraire ici. C'est la même méthode. Avant de transformer ta victime, tu as contact avec cette personne dans son sommeil. Pendant qu'elle dort, toi, tu as la capacité de rentrer dans sa maison et prononcer des paroles. Et c'est comme ça que l'âme sort. Et vous prenez l'âme, vous transformez. Mais c'est l'hibou qui est l'homme transformé en hibou. Monsieur, on a quitté après l'hibou, on a déjà laissé ça. C'est lui qui fait son travail. Non, on a laissé et nous, après on est là pour tuer. Monsieur, tu me regardes, j'aime à quelqu'un qui jouait ça. Moi, c'est mon travail. Mais aujourd'hui, je ne joue pas. C'est quoi, j'ai fait venir mon petit frère. Il dit quoi? Il dit, je ne joue pas aujourd'hui. Tu me parles comment? Je suis ton camarade, je suis ton ami. Tu ne comprends pas? Toute question, je suis prêt à répondre. Non, mais tu ne réponds pas à la question. Tu vas distraire les gens, tu ne réponds pas à la question. Quelqu'un est où, lui, il prend les couleurs. Quand il est distrait, déjà, il est dans un couloir, on jette filet, on ne sait pas de quoi il parle. Tu fatigues l'esprit de lui. Va, il ne sait pas qui tu es. Je savais bien. Alors, il ne faut pas me distraire. Quand tu es en train de mentir, il te dit tu mens. Le grand sorcier de Iré, le voici là, le grand. C'est que tu as fait Iré, tu n'as pas encore dit. Comment tu gardes grosser des femmes, tu n'as pas encore dit. Comment tu manges petit, tu n'as pas encore dit? C'est les petits, tu n'as même pas encore dit la moitié. Tes aveux là, depuis, tu n'as pas encore dit? Non, mon petit frère là, ça ne veut rien dire. Il n'a qu'à être là, les milliers, mais je ne dis pas des aveux. Vous parlez, tu n'as même pas encore dit la moitié de ce que tu fais. On te prend, tu vas tuer les gens. On te loue, tu vas tuer les gens. On te prend, tu vas tuer les gens. Tu n'as même pas encore dit, tu n'as pas encore dit des grandes choses. Tu es là, tu es en train de parler. Je pense que c'est ce qui m'intéresse. Il faut dire la vérité. C'est la vérité là qui m'intéresse pour te délivrer. On a un pouvoir, on n'est pas comme ça. Tu vois comme le diable blague, vous rend malheureux. Vous avez des pouvoirs, vous rendez les gens esclaves, vous les terrorisez. Et puis regardez la vie que vous menez. Hein, ta vie. Toi, tu n'as pas le pouvoir de chat. J'ai le pouvoir de chat. Alors, quand on a le pouvoir de chat, on fait quoi ça? On se défend, hein. Ça veut dire quoi? Ça dit. C'est notre médicament, d'autres se transforment en chat, d'autres en serpent, d'autres en guêpe. Oui, non. Il est hors sujet. Oui. On a parlé de chat, il parle de guêpe, en serpent. Et dis-moi, c'est ma force. Mais c'est de toi que je parle. Je parle à qui? Ma force, c'est. Non, je parle à qui? À moi. Alors, donc, je répondais à ma question. Il ne m'envoyait pas balader. Il répondait à ma question. Ou bien, je voulais parler du chat, vous sortez hors sujet. Nous sommes dans un sujet. C'est hors sujet. Vous allongez comme ça le débat. Vous avez un pouvoir de chat? Oui. Vous faites quoi le pouvoir de chat? Le pouvoir de chat, je me défends et je travaille avec ça. Il faut expliquer les deux choses, défendre et travailler. C'est-à-dire quand je vais quelque part pour faire des victimes, je me mets en chat et je roule au bord de la route sans qu'on ne sache qu'une personne n'a passé. Tu n'as rien dit, hein? C'est pas un pouvoir ça. Il te met en chant, ça part. Tu vois, non? Ça veut dire que toi, là, tu ne veux pas changer.
Moi, j'ai déjà changé. Hein? J'ai déjà changé. Depuis quand? Depuis le jour qu'on m'a fait appel de Goudier, je suis arrivé. Tu as envie de changer, sinon dans ma voix, changer. C'est moi qui dois attester à signer pour dire que tu as changé. Mais aide-moi. Hein? Aide-moi. Mais tu ne veux pas être aidé? Aide-moi. Le pouvoir des chats, là, quand on a ça, là, on nous loue. Tu deviens le grand tueur, comme le sniper. Quand on doit tuer quelqu'un dans un village, toi, on vient prendre. C'est pas ça? C'est ça. Alors, puis tu dis pas ça? Mais c'est ce que j'ai dit, vous dites que c'est pas... Allez. Je vais parler le contraire. J'ai dit que quand je vais aller en mission, je me transforme en chat. Et en allant, je passe au bord de la route. Une fois, je vois une personne, je me cache. On ne dirait même pas qu'il a croisé quelqu'un. Allez, tu roules en vous voir. Elles sont de voir en train d'opérer. Tu n'as rien, tu dis rien. Mais chaque village a ses sorciers. Mais justement, les sorciers des villages n'arrivent pas à tuer, donc on te loue pour aller les tuer. Il y a des gens qu'on n'arrive pas à tuer, toi tu arrives à les tuer. Oui, il y a des gens qu'on n'arrive pas à tuer. Oui, donc on vient te chercher à ir et pour aller les tuer dans les villages. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est à vous que je parle. Hein? Oui. C'est lui, non. Faut pas allonger ou même vraiment les tuer. Mais oui. Hein? Mais oui. Comment tu as eu le pouvoir de chat? Le pouvoir de chat, j'ai vendu mon air à une vieille femme. Pour me donner le pouvoir du chat. Tu as vendu comment? Je l'ai fait en échange du chat. Mm-hmm. Et il m'a donné ce pouvoir. Ce pouvoir? Tu fais quoi ce pouvoir? Je puis avec. Feu! J'agace. Amis et mes trois enfants. Lui, non. C'est moi qui entends jouer. Lui, non. Ici, là, tu as nié sur tout. Entre, stop! Stop! Ta sale bouche, là, stop! Lui, là, tu as nié sur tous les toits qu'il n'a jamais gâté, que tu l'aimes tellement qu'il l'aime, tu l'as jamais touché. C'est pas moi qui ai dit, il t'a mis dans son anus, tu as reconnu ça, puis tu as commencé à expliquer. Tu vas les prendre. Faut dégager ton type là. Dégage! Quitte ma maison, quitte! Quitte! Pardonnez. Sors! Faut aller chercher ta mort là-bas. Dégage! Menteur. Feu! Tu penses à sortir à sa caméra, musulman, venir t'écouter parce qu'on a envie de t'écouter. Feu! Laissez-lui là, quand il va arriver à la maison, ses bras, tout ça s'est cassé. Laissez ça. Hein. Je sais pas, c'est vous qui l'avez envoyé ici, sinon lui-même, il était prêt à venir ici. Quelqu'un qui a vu janvier, il veut vous manger. Vous lui demandez poulet blanc. Si vous avez donné poulet, c'est qu'il allait vous manger. Vous allez manger à Tchiki, vous allez comprendre. Sauce claire à Tchiki. Feu! Lui, là, c'est un faux type. Mauvais sorcier. Il fait semblant, il fait quand il va délivrer. La comédie est en train de jouer. À chaque pas, à chaque truc, moi je t'aide. Voyez ce que tu as fait, tu dis oui, c'est ça. Et bon, on va avancer comme ça. À chaque truc, c'est moi qui dois parler. Feu! Laissez-lui là, il va mourir, il a 72 ans. Vous cherchez quoi encore? 72 ans de pratique de sorcellerie. S'il est mort là, ça veut quoi? Feu! Je compte ça vous délivre. Demain, envoyez le nom de tous vos nyani. Ouais, demain, loin bûcher. C'est le dernier vendredi de novembre. Feu! On va faire un truc national comme petit Kazaro. Les mots l'ont dit, c'est là-bas, ça sort maintenant. C'est là, ça sort maintenant. Ils ne sont pas dit, ils sont dans la bouche. Ils ont trouvé notre endroit où ça. Ils sont fatigués de partir de la bouche. Allez! Feu! Quand il est mort, ça n'est pas. Il souffre en réalité, il souffre. Il ne peut pas mettre sa fête. Quelqu'un peut donner l'heure, il fait quelle heure? Hein? Il est 12h. Eh?
Venez vous devant ma prière, je vais recevoir certaines personnes qui vont partir. Quels sont ceux qui ont de... Voilà, dégagez pour ceux qui vont faire l'huile.